efficace en self-défense, il est inutile de maîtriser l'arsenal complet des arts martiaux. Connaître 10 techniques est bien suffisant pour vous défendre. Elles fonctionneront si vous vous les appropriez en les pratiquant régulièrement. Cette sélection des 10 techniques avec le meilleur rapport efficacité-complexité vous permettra des réactions percutantes en cas d'agression. Aujourd'hui, nous allons étudier la patte d'ours, un coup de la paume de la main. Comment ça je dois bouger ma voiture? Je commence à en avoir un peu marre. Donc, parmi les techniques qui fonctionnent en self-défense et qui sont assez efficaces, une qui est assez utilisée, c'est de frapper main ouverte, qu'on appelle plus communément la patte d'ours. L'intérêt qu'elle a, c'est de supprimer une articulation, c'est-à-dire qu'on n'a pas à gérer l'articulation du poignet au moment des frappes. Elle permet de gagner un temps aussi, parce que très souvent, on va avoir les mains devant comme ça, dans les gardes passives, et ça permet de ne pas avoir à fermer avant de ne pas taper, donc de donner un pré-signal à l'adversaire. La patte d'ours a un autre intérêt, c'est le fait de pouvoir englober le visage et venir éventuellement mettre les doigts dans les yeux. Voilà, donc en termes de puissance, on arrive à obtenir quand même beaucoup de puissance. Les coudes étant serrés, on peut travailler directement de cette position-là, du bas vers le haut, ce qui permet d'affaisser l'adversaire sur l'arrière et de créer un déséquilibre à partir de notre garde passive. Ok, c'est bon, détends-toi, on va se prendre la tête. Les cibles utilisées, enfin visées la plupart du temps avec la patte d'ours, ça va être le menton en grande partie. Donc on va venir vraiment percuter le milieu de la paume au niveau du menton. Les yeux directement qui vont suivre derrière pour pouvoir rentrer les doigts. Éventuellement le nez. L'idée c'est de venir frapper toujours du bas vers le haut de manière à ce que ce ne soit pas visible et de créer un affaissement de l'adversaire vers l'arrière. En créant ce déséquilibre là et en inhibant sa poussée constante sur l'avant au moment de l'agression. C'est une frappe qui est grossière, l'arme naturelle étant assez grosse, elle permet de toucher des cibles qui elles-mêmes sont grossières, le menton, ce qui permet d'éviter de rater sa cible au moment des frappes. Il y a certaines frappes qu'on peut retrouver qui vont demander beaucoup plus de précision, celle-ci n'en est pas une, ce qui permet vraiment d'être efficace rapidement et instinctivement. Pour la première technique, on va voir la frappe main ouverte, qu'on peut appeler de plein de manières différentes. Certains l'appellent le tiger, la patte de tigre, d'autres la patte d'ours. Ça n'a pas une très grande importance. L'important, en fait, c'est de mobiliser la main de la position initiale. À savoir, plutôt que de fermer le poing pour venir frapper et perdre du temps, je vais utiliser la main ouverte directement de la position où elle est. Alors, il y a plusieurs cibles possibles. La première cible étant de viser le menton. D'accord ? Donc, je vais venir caler le menton au milieu de ma main, directement ici. Ensuite, au niveau du placement, soit je le fais directement de ma position initiale, sans faire de mouvement armé ou de complément de hanche. Je vais venir directement travailler ici. Soit je vais venir descendre mon centre de gravité pour venir faire une percussion qui va venir du bas vers le haut, à savoir comme ça, ici. L'avantage, c'est que je vais disparaître du champ de vision de l'adversaire. Voilà. L'autre particularité, c'est qu'on va pouvoir utiliser aussi les doigts dans les yeux. Donc, dans le cas où je vais descendre mon centre de gravité, je vais venir passer ici pour mettre les doigts dans les yeux. À partir du moment où la paume de ma main vient au milieu, instinctivement, mes doigts vont aller droit dans les yeux. J'ai juste à suivre la ligne du nez et ça rentre tout de suite, directement. Voilà. Éventuellement, l'autre possibilité de ce genre de frappe, elle va servir simplement à aveugler, donc je vais mettre ma main, pour en faire une autre qui va arriver cette fois sur les parties génitales, à savoir ce genre de frappe, directement, dans un déplacement en triangle où je vais sortir de l'axe de l'adversaire, à savoir sa ligne de feu. Donc je suis ici, je me déplace, et je vais venir frapper directement ici. Là, je les illustre, donc je suis en train de parler avec lui, j'ai ma garde passive, d'un coup, je vais démarrer. Donc je peux travailler directement comme ça. Ensuite, en descendant. Donc la première va venir lever sa tête au moment où je vais frapper, ici. Pour s'entraîner aux frappes de self-défense, notamment la patte d'ours, l'intérêt c'est de travailler surtout sur Bob, qui sont les mannequins qui vont permettre en fait la possibilité de travailler en visualisant vraiment les points sur lesquels on frappe, en se mettant en situation et travailler à des distances qui sont des distances abordables en self-défense, donc on peut rencontrer. L'idée c'est de pouvoir vraiment percuter assez fort, sans se bloquer soi-même, ce qu'on ne peut pas faire sur un partenaire, évidemment. Voilà. La patte d'ours constitue une des techniques principales à connaître en self-défense parce qu'elle va amorcer absolument toutes les autres techniques puisqu'elle va servir de technique de démarrage. Je vais toujours démarrer main ouverte pour frapper et ensuite enchaîner. Viens ici, c'est bon.